Tu aimes sa vie, tu es malade à ta tête. Elle a une idiote comme ça, dis donc. Elle était l'étire, voilà, tu es une idiote. Tu es une idiote. Et c'est ça ton problème avec moi. Parce que je te réponds. Je te réponds, mais tu ne pourras, tu ne vas jamais rien me faire. Tu es une grosse idiote. Pourquoi tout le monde qui a le succès est pédé? Comme vous n'avez pas peut-être réussi à Brice avec votre lesbinage. Mais regarde là-bas quelqu'un qui aime les homosexuels. Ça ne vous dit rien. Quelqu'un qui le travaille avec les homosexuels, ça ne vous dit rien. Tout ça, c'est chérie. Pour ces ingénieurs à l'époque, elle était des homosexuels. Je suis le seul combattu ça. Elle connaît le combat que j'ai eu. Elle m'a forcé à saluer, attendre ma main à un sale peigné de merde. Motassi, je sortais avec ta soeur, Léa. Elle s'est séparée parce que je n'admettais pas qu'elle arrive chez moi parler de toi, frère. Je sortais avec ta soeur, Léa, petit frère. Je n'ai jamais été contre ton orientation sexuelle. Mais je déteste les pédés, c'est comme ça. Ta grande soeur, Léa, connaît qui je suis. Ta grande soeur, Léa, connaît qui je suis. Mais elle s'est séparée parce que j'ai passé mon temps à dire que je suis contre ce que tu fais. Contre ce que tu fais. Tu es un très bon artiste, mec. Tout le monde le sait. Le Cameroun le sait. Mais ton orientation sexuelle m'empêche de m'asseoir avec toi. Elle me dit, si je me suis assis avec toi, quelque chose pour savoir qu'Ivana m'a forcé à m'asseoir avec toi. Elle m'a forcé à m'asseoir avec toi. Que puis on ne peut pas être là. On a l'habitude de sortir ensemble. Il y a les gens que tu salues, il y a les gens que tu ne salues pas. Et tu salues pourquoi? Par rapport à quoi? Que tu me contamines avec vos conneries là. Et c'est comme si, pendant le sortiment, elle me piégeait. On se dit, oui, parce que là, je ne comprends pas. Je suis resté avec toi, Ivana, dans ta voiture, ici à Zachman. Tu as lancé la fête, tu as appelé Shapiro. Il est parlé avec le téléphone, à côté, il t'a demandé que mais c'est qui a une belle voix là. Il lui dit, ne dis pas qui je suis, ne dis pas que c'est moi. Si j'étais un pédé, ne pas appelé. Merde, putain. Oh. Tu as des problèmes avec Motassi à l'époque. Je reste chez moi. Je vois une fille qui doit plonger dans la dépression. Et avec qui je suis ami sur Messenger, avec qui on cause. On se dit les bonjours, les bonsoirs. C'est à oui. Tu as dit que tu snobais mes messages. D'accord. Tu snobais mes messages, mais tu répondais des fois. Ne viens pas dire que tu n'as jamais répondu à mes messages. Je vois comment. Parce que ce que Motassi faisait était tellement méchant. Je compatis à ta détresse. Je pense, mais je t'écris, je te dis que tu es où. Je n'ai pas une solution à ton problème. Il dit, ok. Tu dis, ok. Est-ce qu'on peut se voir? Tu acceptes bien. Tu arrives chez moi. Pourquoi tu n'as pas dit à ton direct? Que tu as pleuré comme un bébé de 2 ans dans mon salon. Que tu as pleuré comme un enfant à qui on a refusé les 5 le matin dans mon salon. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit que tu pleurais comme une grand-mère? Mais c'est sur internet que tu viens jouer les durs. Pourtant, au fond, tu es fragile comme la bougie. Sur internet, tu joues les rockstars. Tu joues les ceci. Avant de faire les erreurs, tu te drogues. Avant de faire les erreurs, tu prends la drogue. On voit, tu fais les erreurs, tu m'avales à tous les sens. On est sûr que tu es rockstar. Pourtant, elle est fragile comme ça. Fragile comme la bougie. Je n'ai jamais sauté. Ce genre de direct, je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, tu as arrêté ma sensibilité. C'est la première fois que je vais le faire. Et je prie le Seigneur que ce soit la dernière fois. Parce que je ne trahis pas mes amis. Mais aujourd'hui, Seigneur, excuse-moi, je vais le faire. Je vais le faire. Parce que tu m'as blessé, tu as menti sur moi. Et sur ce enfant de quelqu'un, je dois me défendre. Tu es arrivé chez moi, tu pleures, tu te calmes, toi. Je vais trouver la solution. Tu ne connaissais personne dans l'armée. À l'époque, tu ne connaissais personne dans l'armée. C'est pas comme maintenant avec tes miettes, là, tu achètes les petits, les anti-gangs marchent derrière toi. Et l'anti-gang à qui je t'ai dit que moi, ils ne me feraient jamais, qu'ils ne pourront jamais me frayer, que je ne pourrais jamais avoir du respect pour eux. Parce que tout le monde sont comme les petits mamidiens. Tu les malmènes, tu les prends, tu montes à l'eau, tu prends, tu les sers avec eux. Des pères de famille, tu les grondes, tu les gifles devant les gens. Parce qu'ils ont faim. Moi, pourquoi j'ai pas faim? Tu ne vas jamais me faire ça. Parce que le but de ton direct, c'était de me salir et d'interdire aux gens de travailler avec moi. Pourquoi tu fais ça? On a longtemps fait ça avant toi. Moi, aujourd'hui, je travaille avec les grosses sociétés du pays, frère. Aujourd'hui, même si les grosses sociétés là me lâchent, je gagne des millions sur Facebook chaque mois avec mes artistes. Et maintenant, tu ne peux pas me stopper, tu ne peux plus me rendre pauvre. À part que tu organises tes anti-gars, les organisations, oui, finissent avec moi. Mais sinon, tu ne peux plus. Tant que je vivrai, je ne serai plus jamais pauvre dans ma vie. La richesse, c'est chacun à son niveau. Aujourd'hui, toi seul, tu sais ce que tu fais pour avoir ton argent. Parce que, oui, vous êtes forte sur Internet, là, vous montrez que c'est le Jansang qui vous rend les riches. Le Jansang de quoi? Toi seul, tu sais ce que vous savez. Vous savez ce que vous faites pour avoir votre argent. Le Jansang, c'est les biscuits qu'on achète pour les jours, mon frère. N'est-ce pas qu'on achète une bouteille d'huile? On fait même 4 mois avant d'acheter. On fait 3 mois avant d'acheter l'autre. Mais l'huile que vous vendez, on achète seulement ça tous les jours. On achète seulement ça tous les jours. Il faut s'en repentir où? Chacun fait ceci. Je dis calme-toi. Ne pleure plus. J'arrive. Je déplace ma voiture. Je te retrouve chez toi où tu habitais à Coton. En face de la sous-préfecture là. J'arrive là-bas. Je te dis, ok. Comme il a fait comme ça, voici encore la stratégie pour arrêter Shakiro. On va utiliser la même méthode. Comme lui, il a faim. Comme tu m'as dit qu'il a faim et que lui, il a faim, c'est vrai. On va utiliser dans la méthode de la nourriture pour la pâcher. C'est comme ça que je te dis, ok. On va appeler nos gars de la Sémine. Tu vas utiliser la même méthode pour l'arrêter. Quelle méthode? La méthode était laquelle? On va peut-être une fille va l'appeler, elle va se faire passer pour une grosse entreprise de. Je ne me rappelle pas à l'époque, c'était de quel produit qui vient s'installer au Cameroun. Est-ce qu'on peut se retrouver dans tel restaurant? C'est comme ça que Motassi, c'est comme ça que chacun reporte
débarque au ciel, à Bonamoussati. Dès qu'il met les pieds au ciel à Bonamoussati, bam! Dès qu'il met les pieds à Bonamoussati, bam! On l'arrête. Il va l'acheter soutenu combien de fois? On a piraté ta page. J'ai pris ta page, j'ai partagé ta page partout. Ta nouvelle page où c'est Ivana, chef d'État officiel, où c'est machin. J'ai partagé ça partout. Tu t'es mis en contact avec un gars qui pouvait récupérer ta page. Je ne sais pas s'il a récupéré ta page ou pas. Tu es allé là-bas traiter. C'est quand ça a tué que tu m'as dit que je vais donner 4 sabots. Tu as commencé à saboter mon ami, à s'en capturer. Tu dis que tu as fait quoi dans ma vie, Ivana? Tu as fait quoi? Tu n'as rien foutu dans ma vie. Tu ne m'as aidé à rien. Au contraire, tu m'as mené beaucoup d'ennui. Tes copines d'une jambe, tu les sabotes. Tu injures les gens par-ci par-là. Tu injures les Mira. Tu injures toutes tes copines d'une jambe. Tu les injures. Et voilà, tu es un gros serpent. Tu comprends, non? Tu m'as montré ça aujourd'hui. Souvent tu fais ça à tes copines. Mais reste tranquille. Tu m'as montré ça aujourd'hui. Que tu es le vrai serpent là. Que tu es le vrai serpent qu'on dit depuis que tu es chez toi là. Tu es le vrai serpent qu'on dit que tu caches chez toi là. Tu es ça en fait. J'ai confirmé ça aujourd'hui. Et heureusement que ma mère me protège. Tu vois, tu m'as même bien avalé depuis. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Où tu parles, man là? Hein? Renseigne-toi bien sur le Bouddha. Je suis vraiment mauvais. Je suis sauvagement vraiment mauvais. Pas encore, Fouman. Pas où tu peux avoir tes gens spirituels qui te donnent les faux médicaments que tu veux tromper les enfants déjà avec ce internet là. Montre-moi une seule fille. Montre-moi une seule vidéo, un seul témoignage. Où une fille subit qu'elle a. Merde. Où une fille subit quand elle est partie là-bas se soigner, machin. Tous mes amis qui veulent entrer en contact avec toi, je refuse. Parce que je ne connais pas moi que tu es malade. Je ne connais pas moi que tu fais les remèdes. Je ne continue. Depuis qu'on se connaissait, tu ne m'avais jamais parlé de ça. Un bon matin, tu as démarré ta fémania là sur internet. Mais je n'ai pas compris. Tu as organisé ton fait là sur internet et ça a pris les enfants déjà. Où tu jettes quoi? Où tu allais prendre quel genre d'attirance là-bas à Fouman? Les enfants sont sur tes commentaires comme les chèvres. Les enfants sont sur tes commentaires comme les chèvres. Mon cher, les cons de l'attirance que tu as pris la maman. Donne un peu ça aux artistes, pardon. Mais aujourd'hui, je parie que c'est parce que tu as vu comme j'ai dit que je vais soutenir ton gars. Et tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas quand un de tes proches fait un truc qui brille. Tu n'aimes pas ça. Tu te dis que tu vas soutenir. Tu ne vas jamais soutenir. Quand j'ai eu des problèmes avec une fille, tu as fait un direct où tu m'as lavé plutôt. Tu me soutenais. Pour des directs que tu veux soutenir, les gens, tu fais la publicité de tes produits. Quand on soutient quelqu'un ne fait pas la publicité de ses produits, tu as fait le direct pour toi. Tu fais un direct que tu vas me soutenir. Quand j'ai eu des problèmes, on m'a jeté en cellule. Tu as fait la promotion de tes produits. Tu m'as humilié dans ce direct. Que plus faut. Rassure-toi que si une fille ne vient pas faire mes shootings, tu vas porter les strings, tu vas porter la lingerie, venir faire ça. Tu vas faire ça soutenir. Tu ne m'as jamais soutenu, tu ne m'as jamais aimé, tu ne m'as jamais considéré comme ton ami. J'étais là parce que tu savais que je te donnais le vrai conseil. Et que j'étais le gars de la fête. Oui, quand ça arrive au bout, là, c'est plus fort qu'on organise la fête. C'est plus fort qui fait le mouvement. C'est plus fort qui attire l'attention sur la table. C'est lui qui crée le fumba. C'est lui qui crée le film de la soirée. Mais j'étais là pour ça. Mais je ne crois pas qu'un seul jour, j'étais écrit que maintenant je veux sortir. J'ai soif. Jamais de la FIFA. J'ai une entreprise d'un capital de près de 10 millions. Tu es venu sur le bureau. Parce que quand il crée mon entreprise, tu ne voulais pas venir. Je sais que c'est par jalousie. Qu'il faut là, il va un peu lever la tête. J'ai créé mon entreprise. Tu es venu ici avec Christian. Tu n'en revenais pas. C'est où tu es parti? Tu m'as offert ta clim de 125 000 là. Il va lâcher les caméras de 2 millions au bureau. Que tu connais quand il achète des montres. Que tu connais. Je n'ai jamais parlé de mes acquis sur Internet. Tu dis que, oh, machin. Tu ne peux pas sortir avec moi. Job, je vais te dire, on s'est bien embrassé dans ta voiture au stade de Sikam. Ce soir, on sortait du snack d'un grand frère, je vais te dire le nom. Puisque tu veux que j'en parle et que je descende dans la saleté comme toi, je vais le dire. Et arrête de faire comme si, Ivana, tu ne peux pas empêcher une fille qui veut coucher avec, qui veut nyoxer avec Bifo, Tu ne peux pas empêcher une fille. Alors moi, tu avais même la jalousie parce que tu voulais me garder près de toi. Dès qu'une de tes copines flash sur moi, tu sabotes, tu gâtes. Voilà, me voilà au téléphone. Est-ce que tu es un les garçons? Je ne suis pas un les garçons, je ne suis pas sale. Regarde les traits, tout est propre. Regarde là où c'est habillé au pressing, tu veux me salir. Non, ma vie est là-bas au pressing, tu veux me salir pourquoi? Ce jour, dans ta voiture. Je le dis aujourd'hui. Ce jour, dans ta voiture, on s'est pillé dans le bras au stade de Sikam. Il pleuvait. Christian était en face avec Yannick Vosli. Ils n'étaient pas en train de parler. On était dans la voiture. Tu m'as fait jouer au moins 5 fois dans ta voiture. Tu as fait ça sur ma bite. Bien même. Tu m'as fait jouer au moins 5 fois dans ta voiture. Tu as fait ça bien même. Tu me demandes les preuves. Attends, je vais sortir les preuves de l'ambassade comment? On va sortir les preuves de l'ambassade comment? Mais je vous l'ai dit. Et ce jour était boité. On est parlé plus loin parce que tu avais un truc comme un cadenas aux fesses. Tu avais un truc dur à la queue de ta chatte. Ce jour-là, on n'a pas couché dans ta voiture à cause de ça. J'ai eu peur. Dès que j'ai couché, j'ai vu un truc comme un cadenas. Tu t'achètes, moi, fuis. J'ai fui. Il y avait un truc dur là-bas. J'ai fui. Et depuis ce jour, je n'étais plus jamais parlé de ce sentimental. Jamais de la vie. Attends, je suis un homme, non? Tu dis que je suis pédé. Et il va raconter quoi? Il va raconter une comment? Lui, je voulais le faire. Et il fallait tenter. J'allais bien le faire. Et ce matin, je te dis que on s'est embrassé dans ta voiture. Je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. Mais tu es venu aujourd'hui parler de ça sur Internet. Je le dis donc alors. On s'est bien fait ça dans ta voiture. Bien embrassé. Tu vas jouer les scènes sur Internet.
avec la petite gars qui te baise partout là. Tu es sur les scènes que sur internet. Tu penses que je ne connais pas tes salités que tu fais partout. Tu as voulu prendre le piment à l'anglophone. Tu as voulu prendre le piment à l'anglophone où tu étais venu me trouver à l'immeuble chez Cabrel là. Ça a marché. Tu peux vendre le rêve aux gens que oh machin, PDG. Pourquoi vous vendez le piment par derrière? Pourquoi vous vendez le piment par derrière? Vous venez mentir les enfants des gens sur internet. Oh les filles, arrêtez d'enviser les gens là. Arrêtez d'enviser les gens là. C'est un conseil. Arrêtez d'enviser les gens là. Arrêtez d'enviser les gens là. Arrêtez d'enviser les gens là. Elle va faire le piment comme ça qui vient chez internet bluffer les gens que oh c'est l'argent de l'air. Bah ça quel est. Alors c'est bien embrassé dans ta voiture, en plein stade Sikam. Devant le bar qui est là-bas, il y a un bar là-bas au stade Sikam. Le grand bar qui est là-bas avec les chaises dehors comme ça là. Il pleuvait ce soir. Et après quand on rentre dans ta voiture, c'est même gâteau au niveau de. Après c'est cacao là. Tu ne connaissais même pas la panne. On a même appelé les gens qui viennent pousser. Ils ont dit que non, la panne c'est là, ça va être la cause de ta batterie. Ils étaient accompagnés chez toi. Quand on est arrivé chez toi, on s'est bien embrassé là-bas en face de ta maison, dans ta propre voiture, la infinitique noire que tu avais. Tu veux parler de conneries aujourd'hui. Si tu veux que tu salies, je vais bien te salir. Et tu connais très bien l'élément. Tu veux raconter quoi sur internet? Tu veux raconter quoi sur internet? Les racailles comme ça, qui viennent sur internet, jouer les belles, jouer les ceci, vendre le rêve. Tu n'es pas différent de Coco Emilia, même pas. Tu n'es pas différent d'elle. Tu les envies même. Ton rêve le plus fou a toujours été de devenir un Karimo. Et tu ne peux pas partir au niveau de Karimo avec cette mentalité.